Ok, Catherine. Bien, donc je suis ici avec Catherine, j'espère qu'on me voit sur la vidéo, qui a, on a passé 4 heures ensemble pour un voyage vers soi, combinaison de soins énergétiques, soins vibratoires et un coaching du féminin sacré en fait. Et donc tu étais d'accord de laisser un témoignage, merci beaucoup. Et que je te trouve toute lumineuse là déjà maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a fait prendre le rendez-vous? J'étais vraiment en manque d'énergie, je sentais que je n'étais plus vraiment la Catherine habituelle. Et donc j'ai eu envie de prendre soin de moi et je sentais que ce dont j'avais besoin, c'était d'abord d'être lavée des énergies des mauvaises énergies qui stagnaient en moi et oui, afin de pouvoir de nouveau me remplir de quelque chose de neuf pour repartir sur la bonne voie. Oui, effectivement, c'est vrai que quand on a parlé au départ, tu m'as raconté un peu comment ça se passe dans ta vie et où tu en es maintenant. Et lors du soin, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée ou des choses que tu as senties et qui étaient donc révélateurs ou même surprenants? Il y a des sensations dans le corps, des frissons dans certaines parties du corps, la chaleur, le sentiment, enfin le ressenti que l'énergie recircule, l'ouverture au niveau du haut du corps, oui, et une lumière, un enveloppement de lumière, et alors des images qui viennent Oui, surprenantes. tu as eu, on n'a pas besoin de le révéler ici, mais tu as eu comme ça 2 images qui étaient très, 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 très fortes en fait. Et puis, après le soin, on en a parlé et on a fait des exercices ici. Comment tu as trouvé cette suite de transformer ça en mouvement et en danse? Je trouve que oui, le mouvement permet de vraiment déjà intégrer, d'être sur le chemin du changement, de le mettre en mouvement, en action, de se sentir dans ce nouveau soi. Et ça permet vraiment de finir, c'est comme si on ouvre une page, on termine un chapitre et on ferme on ferme le livre. Donc je trouve que c'est agréable de terminer comme ça. Ah oui, c'est bien dit ça, de finir le chapitre, fermer le livre, c'est une ancienne histoire, je commence une nouvelle histoire et je suis une nouvelle moi. Ouais, c'est quelque chose. Mais on voit dans tes yeux, hein, j'aurais dû faire une photo avant et après moi, parce qu'il y a quelque chose qui pétille là comme ça. C'est vraiment magnifique à voir. En tous les cas, moi je te remercie beaucoup parce que c'était très émouvant. Et Moi, je te remercie. oui, moi c'est mon privilège de pouvoir faire ce travail, c'est sûr Ça se sent. et certain. Oui. Ah, et tu sais qu'est-ce qu'on va pouvoir? Je veux montrer un truc. Parce que personne ne connaît ça en Belgique. Les petits Allemands magiques. Peut-être on a fait un soin vibratoire avec ça. Comment c'était ça pour toi? On a fait l'entrée en matière avec ça. C'est agréable d'avoir je trouve que ça a quelque chose de très très apaisant. Ça permet vraiment de se relâcher et à la fois se relâcher, se centrer aussi sur ce mouvement, ce son. On est complètement relâché après. Oui, puisque tu avais dit qu'au niveau vibratoire, tu avais l'impression que ça vibrait trop vite aussi, ce n'était pas ta vibration en tous les cas, non? Comme tu ne te Oui. reconnaissais pas. Comment tu te sens maintenant Ben, avec c'est vrai que ça? maintenant que tu le dis, c'est vrai que je suis libérée, je suis libérée de ces tensions intérieures qui étaient le signal que je devais vraiment me décharger d'un poids que je ne veux plus porter. Voilà, que tu ne portes plus. Oui. Bah, magnifique. Bah, j'espère que. Je pense qu'on est très inspirante là pour les personnes qui voudraient peut-être prendre. Donc, ici, ça s'est fait sous forme d'une demi-journée. Ça peut se faire sous forme de 4 rendez-vous parce que c'est 4 heures. C'est
une séquence comme ça, mais c'est tellement chouette de prendre une après-midi ou même toute une journée pour soi, parce qu'on le fait trop peu, n'est-ce pas? Je le recommande, en tout cas. Merci. Ok, merci beaucoup, et à bientôt. Je ne sais pas si ça marche, mon petit bouton magique, je vais vérifier. Est-ce qu'il a marché? Non, il n'est pas arrêté.